tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle sélection qui commence avec un album documentaire. Il s'appelle Zoophobie et il aborde un sujet peu commun, soit la peur des animaux. Il est publié aux éditions La Poule qui pond et écrit et illustré par Fanny Fage. Fanny Fage, c'est une autrice illustratrice dont Zoophobie est le second album en solo après Expression animale. Ici, on découvre donc différentes peurs liées aux animaux, certaines qui sont bien connues, telles que l'arachnophobie pour la peur des araignées, ou d'autres que j'ai complètement découvert pour ma part grâce à ce livre, comme la chélonophobie pour les tortues. J'ai vraiment adoré les illustrations à l'aquarelle, qui sont toutes en poésie et en finesse, et qui nous rappellent les papiers et les pliages japonais. C'est vraiment beau et délicat, et je trouve que ces couleurs un petit peu passées contribuent complètement à nous transporter dans cet univers onirique et mystérieux. Le tout s'accorde superbement bien avec le texte, qui est bien mis en valeur par la mise en page. Assez court, celui-ci nous présente à chaque fois dans un premier temps le nom savant de la peur dont il est question, et ensuite, selon les animaux, différentes anecdotes, le tout avec toujours une petite touche d'humour. Donc pour moi, c'est une jolie réussite qui vous attend à la médiathèque si vous avez envie de découvrir à quoi correspond la lépidophobie. On continue la sélection avec un album qu'on peut mettre dans les petites comme dans les grandes mains. On est toujours chez La Poule qui pond, cette fois avec leur nouvelle collection qui s'appelle Les Bidules Chouettes, et ici, Edith la Chaussette va à la fête foraine, écrit et illustré par Julie Bullier. A ce jour, Julie Bullier est l'auteure illustratrice de toute la collection Les Bidules Chouettes, et elle a déjà fait par exemple Jacques le Pain de Mie part en vacances, et Hercule le Poireau mène l'enquête. Alors visuellement, je trouve que quand on les a dans les mains, on pense dans un premier temps un petit peu au Monsieur et Madame de Roger Hargreaves, entre la couverture et cette page de garde, mais on se rend compte assez vite, entre la moindre densité du texte et le graphisme, qu'ils sont bien différents. Ici, on suit le quotidien d'Edith, qui est une chaussette tout ce qui est plus classique, qui vit dans un tiroir entouré d'autres chaussettes, et qui décide d'aller passer une petite journée à la fête foraine, accompagnée de Marcel, avec qui elle fait la paire et dont elle est amoureuse. Donc c'est vraiment un album qui est assez drôle, et que nous on a classé à la médiathèque pour les plus petits, entre le format qui est bien adapté aux petites mains et à la simplicité du texte de prime abord. Mais pour autant, c'est un album qui régalera autant les plus grands, voire les adultes, grâce à son double discours et à son second degré. Donc c'est un album qui est vraiment très bien adapté pour les lectures à voix haute, tant auprès des enfants qu'auprès des parents. Et enfin, on termine la sélection avec un dernier album documentaire, initialement publié en 1973. Il s'agit de La Naissance, d'Agnès Rosenstiel, ici aux éditions La Ville Brûle. Au travers des traits des personnages, vous aurez peut-être reconnu ceux de Mimi Cracra. En effet, Agnès Rosenstiel est la créatrice de cette petite héroïne qui a bercé l'enfance de nombreux adultes aujourd'hui et qui relatait les aventures d'une fillette qui était curieuse, pleine de vie, qui découvrait vraiment le monde qui l'entoure et ses petits bonheurs, sans jamais hésiter à se salir. Ici, La Naissance, elle nous donne à voir donc une discussion entre une fille et un garçon, dont l'un des deux va bientôt avoir une petite sœur ou un petit frère. Leurs questionnements et leurs échanges les amènent à s'interroger et à aller questionner leurs parents autour de la rencontre amoureuse, de la naissance, de la conception, le tout sans phare ni tabou, mais toujours avec délicatesse et poésie. Personnellement, c'est un album qui a marqué ma propre enfance et je trouve vraiment précieux aujourd'hui d'avoir des livres pour les plus jeunes qui abordent ces sujets sans tabou et qui permettent ensuite d'être un support de discussion. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que depuis sa parution initiale, donc dans les années 70, il a été réédité en 2018 aux éditions La Ville Brûle. À cette occasion, Agnès Rosenstiel a complètement accepté de reprendre son texte, sans en changer le sens ni la substance, mais simplement pour l'adapter aux mutations de nos sociétés. Par exemple, ça concerne le mariage, qui a moins d'importance aujourd'hui qu'il y a 50 ans, l'ouverture sur l'homosexualité, la PMA. Si le livre n'aborde pas forcément frontalement ces sujets, grâce à ces réajustements, il a rendu cela possible et a permis plus d'ouverture. Ce travail que je trouve fascinant, il ne s'est pas seulement arrêté à la réécriture, mais aussi pour certaines illustrations. Par exemple, ici pour le mariage, avant, dans les années 70, on voyait un couple hétérosexuel s'avancer vers l'autel, et aujourd'hui, la petite fille devenue femme avance seule, ce qui laisse entrevoir davantage de possibilités. Par contre, pas de modification à noter sur le style bien années 70 entre les vêtements, les coupes au bol et les superbes chevelures qu'on retrouve avec plaisir. Bref, pour moi c'est un grand classique qui, je trouve, encore 50 ans après, parvient toujours à rester aussi juste. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite de bonnes lectures.